Seul votre amour et foi en moi vous ouvriront les portes du paradis. 12 mai 2014. Parole du Seigneur délivrée à son messager Jim, traduite et lue par Justine. Le malin travaille dur en ce moment pour te diviser, mon épouse, pour te donner des doutes, pour te convaincre que tu es en train de perdre ta couronne. L'esprit de peur, comme toujours, est le coupable. Êtes-vous effrayé à l'idée que je ne vais pas vous trouver suffisamment digne pour être mon épouse, sous prétexte que vous êtes vous-même? Je suis fâchée, mais je ne suis pas fâchée après toi, ma fiancée. Je suis en colère contre les esprits qui cherchent à te donner des doutes. Je suis en colère contre les esprits qui te menacent et te disent que je suis un Dieu qui exige la perfection de la part de mes enfants. Je suis en colère contre les esprits qui prêchent la peur en mon nom. Cessez maintenant d'écouter les hommes et cherchez vos réponses de moi. Ne vous accablez pas en vous préoccupant de ce que les autres pensent. Vous êtes à la toute fin. Ne laissez pas la peur s'immiscer dans votre cœur à ce stade. C'est toujours la peur qui détruit. C'est toujours la peur qui permet aux esprits maléfiques de vous parler et contrefaire ma voix. Si vous me connaissez, vous savez que je vous aime et que je ne me mettrai jamais en colère contre vous pour quoi que ce soit que vous puissiez faire dans cette vie, car vous ne savez pas ce que vous faites lorsque des esprits malfaisants travaillent à travers vous. Si vous êtes une personne qui prêche aux autres qu'être la fiancée de Christ dépend de vos idées de ce qu'est un bon comportement, vous risquez sérieusement de souffrir la tribulation. Votre statut à être ma fiancée dépend d'une seule et unique chose, votre désir d'être ma fiancée en ce moment même, marqué d'un désir suffisamment fort pour laisser le monde derrière vous et être à moi maintenant. Ne voyez-vous pas que c'est tout ce que je désire de vous? Vous avez déjà accepté que Jésus est votre Sauveur. Vous avez déjà accepté que Jésus est l'Époux. Ne savez-vous pas que le salut ne dépend pas de vos œuvres et qu'être ma fiancée ne dépend pas davantage de vos œuvres? Le salut dépend uniquement de votre foi dans le fait que Jésus l'a accompli. Et être mon épouse dépend de votre foi que Jésus l'accomplira. Rejetez l'esprit de peur et rejetez l'esprit qui dit que les œuvres sont plus grandes que la grâce. Vos œuvres ne vous donneront jamais accès à mon royaume. Vous n'entrerez pas dans mon royaume en fonction de la valeur que les gens estiment que vous avez, y compris vous-même. Seule votre foi vous conduira à moi. Ayez foi en moi maintenant et sachez alors avec certitude que vous serez toujours ma fiancée. Béni êtes-vous si vous n'avez pas peur. Béni êtes-vous si vous avez vaincu toute crainte et tout doute par mon amour parfait.